Dans les légendes, on entend souvent que la Corriveau, c'est une sorte de sorcière qui n'a pas eu d'enfants et tout ça. Dans les faits, Marie-Joseph Corriveau a eu 3 enfants et ces enfants-là ont eu une postérité aussi, ce qui fait qu'il y a à peu près 4000 Québécois qui descendent de la Corriveau, mais qui ne le savent pas parce qu'ils ne portent pas ce nom de famille-là. Hein? Donc, s'ils ont fait leur généalogie à un moment donné et qu'ils retrouvent une Marie-Joseph Corriveau de Saint-Vallier, il y en a eu quelques-unes, là, mais si on regarde pour les années puis que ça fonctionne, il y a des chances qu'ils soient des descendants de la célèbre Corriveau.